Bon, ben, bonsoir à tous les auditeurs de TV de vie. J'ai été invité à venir faire un témoignage ici, ce que j'ai accepté avec plaisir. Mon nom est Louis Simard, je viens du Canada et puis j'ai découvert TV de vie il n'y a même pas 3 semaines. Fait que c'est pour ça que je suis ici présentement. Dans un premier temps, je dois dire que là, je vais élaborer. On ne m'a pas donné de façon directe là, de témoigner. On m'a demandé simplement de dire qu'est-ce qui m'a amené à Jésus, qu'est-ce qui fait que je suis ici, etc., etc. Ça fait que je laisse Dieu me guider, puis j'espère qu'il va me guider du mieux, ben, en tout cas, que moi, je vais me laisser guider le mieux possible par lui. Dans un premier temps, je voudrais vous dire comment, qu'est-ce qui fait que j'ai été attiré par Dieu. La première chose, j'avais 24 ans. Puis à 24 ans, bon, j'ai eu une vie relativement aisée, j'avais beaucoup d'argent, j'ai été béni de toutes les façons, j'avais du succès à l'école, j'avais du succès avec les dames, j'avais pas de misère en nulle part. Jusqu'au jour où j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, j'ai perdu l'argent, les amis, les femmes, le succès. Puis j'ai fini par même perdre l'estime de moi-même. Jusqu'à perdre le goût de vivre. Puis là, j'étais face à un mur. Je devais choisir de continuer à vivre le calvaire dans lequel j'étais ou de m'enlever la vie. Mais là, comme tout le monde, je me posais, y a-t-il quelque chose après? Fait que finalement, je suis allé là où c'est indiqué, si on a le droit de s'enlever la vie. Et puis j'ai découvert que non. On ne peut pas s'enlever la vie, notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, ben, je me suis mis à le prier, à le prier de m'aider. Puis je me suis mis aussi à chercher des façons autres aussi que par Dieu pour revenir heureux, revenir bien à ma peau. Finalement, c'est arrivé. C'est arrivé, puis assez que j'ai redécouvert un bonheur supérieur à celui que j'avais déjà vécu jusqu'à maintenant. Mais malheureusement, je n'ai pas suivi le mode d'emploi bien ben longtemps parce que j'ai retombé dans les excès de boissons, les excès de drogue, etc. Et puis, ma déchéance a aussi été vrai. Fait que là, ça a été quand même, il s'est écoulé quand même plusieurs années comme ça, où ce que j'ai vécu sans Dieu, puis dans la déchéance, puis avec une vie sans vraiment d'orientation, jusqu'au jour où ce que je décide de retourner à Dieu. J'ai retourné à Dieu, j'ai retourné à la Bible, je me suis mis à le prier. Mais là, je me suis mis à chercher aussi, je me disais, bon, il faut que je trouve c'est quoi la vraie religion? Où est la vraie religion? Où se situe Dieu? Et puis, j'ai fait des recherches intenses. D'ailleurs, j'ai côtoyé les témoins de Jéhovah longtemps. Je suis allé à l'église catholique longtemps. J'ai fait des recherches. J'ai prié Marie. J'ai lu différents bouquins. Des bouquins théologiques, des bouquins de psychologie, de parapsychologie, je me suis payé même des techniques de méditation transcendantale, de Maharishi Yogi, en tout cas, je m'excuse pour la prononciation, ce qui a été une faute de ma part, entre autres, parce que je pense que j'ai ouvert la porte à des démons à ce moment-là, parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes ultérieurement. Bref. Ça en a été jusqu'en 2011, alors que ma vie, parce que là, à un moment donné, j'ai encore délaissé Dieu, et puis ma vie est encore tout à l'envers. Et finalement, à un moment donné, j'ai répondu à une petite annonce. Il y avait une petite annonce dans le journal local qui indiquait une étude biblique avec une adresse. Fait que je me suis présenté là. Finalement, j'ai reconnu un homme que j'avais connu il y avait 40 ans passé, un homme que j'aimais beaucoup. Et puis, lui, il ne m'a pas reconnu, mais moi, je l'ai reconnu. Là, finalement, quand je lui ai dit, tu t'appelles-tu Rémi? Il dit oui.
Là, il a dû continuer à parler. Finalement, il m'a reconnu lui aussi. Puis c'est là qu'on est devenu de vrais amis chrétiens. Je pense que c'était mon premier ami chrétien. Puis c'est lui qui m'a enseigné la chose primordiale de base qu'on doit savoir, c'est que on doit accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Chose que je ne savais même pas. Pourtant, j'avais lu la Bible à plusieurs reprises, mais j'avais pas réussi à la comprendre. Et puis, de fil en aiguille, ben là, j'en viens à ma poursuite de recherche de Dieu. Bon, pour ce qui est de la religion, j'ai fini par découvrir que non, il n'y a pas de vraie religion. De toute façon, Dieu n'est pas dans les religions. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu est dans le cœur de l'homme. Et puis, j'ai découvert aussi d'autres choses que je vais vous éviter. Et puis là, je vais sauter directement à l'étape pourquoi je suis ici. Je suis une personne qui recherche encore beaucoup Dieu, puis je cherche beaucoup d'informations via le net, par Internet. Et puis à un moment donné, j'ai découvert par hasard le site TV de vie. Et puis tout de suite, en tombant sur ce site-là, j'ai été estomaqué. J'étais estomaqué par l'enseignement qui y était donné, un enseignement qui était vrai, qui était parallèle avec ce que moi j'avais vu dans la Bible. Il n'y a aucune fausse doctrine, puis en plus j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des démons chassés. Ça fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben moi, il faut que j'aille là le plus vite possible. Et puis, 2 semaines après, ben, j'étais là. Me voici. Pardon. Mais en prime, j'ai attrapé aussi une petite grippe. Et puis finalement, ben là, étant ici à TV de vie, j'ai assisté aux réunions de Didasco, des réunions que j'ai aimé partager. Je suis allé la semaine passée à Savigny-le-Temple. J'ai été, malheureusement, j'ai pas pu assister là, à toutes les réunions parce que j'étais trop malade. J'étais tellement malade que quand la soirée, moi, parce que moi je suis arrivé, il restait peut-être 2 heures là, dans toute la soirée de réveil. Fait que quand je suis parti, mon hôtel était proche de la salle du millénaire, mais j'étais tellement confondu que j'étais parti à l'envers. Je ne m'en allais pas dans la bonne direction, je m'en allais dans la direction contraire de l'hôtel où ce que j'étais logé. Et puis j'avais bien tenté de faire du pouce, mais il n'y a même pas personne qui portait attention. Ça fait que j'ai bien vite vu que c'était peine perdue. Ça fait que là, je marchais lentement, puis à un moment donné, quelqu'un arrête à côté de moi, un automobile arrête à côté de moi, puis il y a une femme qui rouvre sa fenêtre, puis elle dit, monsieur, où est-ce que vous allez? Ben, j'ai dit, je m'en vais à mon hôtel. Ben, elle dit, c'est où votre hôtel? Ben, j'ai dit, c'était l'hôtel. Ben, elle dit, là, vous n'êtes pas dans la bonne direction pantoute. Elle dit, vous êtes complètement à l'envers, là. Elle dit, embarquez avec nous, on va aller vous porter. Fait que là, j'ai bien vu que Dieu était avec moi. Parce que j'étais pas dans une situation pour marcher bien, bien longtemps. Puis, j'en ai profité aussi pour témoigner de Dieu à ces gens-là. Puis, je les ai donné la coordonnée de TV de vie. Et puis, aussi pour confirmer, je voudrais ouvrir une parenthèse, pour confirmer le parce que moi, je ne prétends pas connaître la Bible parfaitement, puis je n'ai pas tous les dons de l'esprit, tu sais, je suis qu'on mamelle, je crois, là. Mais j'ai un ami, Gérald, qui en passant, je salue, qui lui, ça fait 25 ans qu'il étudie la Bible, puis ça fait 25 ans qu'il étudie la Bible de façon intensive. C'est un homme qui n'est pas enseigné par les hommes. C'est un homme qui est enseigné directement par l'Esprit. Il ne va pas dans aucune église, ni pentecôtiste, ni rien. Sa mère était témoin de Jéhovah, puis il dit, j'en ai eu assez comme ça, j'ai compris. Ça fait que finalement, ben, tout ça pour dire qu'il a été éduqué par l'esprit. Et puis quand j'ai découvert TV de vie, je me suis empêché de l'appeler, de lui donner les coordonnées, puis j'ai dit, regarde ça, puis dis-moi ce que tu en penses.
Puis regardez, peut-être une demi-heure, il m'a rappelé une demi-heure après, puis Gérald, il m'a dit, gars, il dit, c'est sûr et certain que c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui est enseigné par l'Esprit, parce que il a exactement les mêmes enseignements que moi, les mêmes choses que j'ai compris de la Bible. Ça fait que ça m'a confirmé que j'étais à la bonne place, puis que je venais ici à TV de vie au bon endroit. Et puis, je n'ai pas de cadre défini pour continuer cette entrevue. Là, je suis un peu sur les interrogations, à savoir comment est-ce que je peux continuer l'entrevue. Je pense que je vais me contenter de faire cette prière pour conclure. Je vais demander à Dieu, le créateur de la terre, de l'univers et de nous tous, je vais lui demander, au nom de tous les croyants de la terre, à tous les gens qui font partie de son Église, selon son cœur, je lui demande de nous bénir tous et de venir le plus tôt possible intervenir ici-bas pour atténuer les souffrances qui sont partout. Il y a beaucoup de souffrances au Canada, il y en a beaucoup ici aussi. J'en vois tous les jours ici des gens qui souffrent, des gens qui ont faim, des gens qui sont mal habillés, qui ont froid, qui n'ont pas de logis, etc. Alors, voilà ma prière. Dieu, fais-le ainsi. Amen.